sens vraiment qu'ici, il y a une volonté. Il y a vraiment une volonté forte, que ce soit des acteurs, certes créateurs, chose que nous, on fait également à Paris, mais vraiment de multiplier les facettes et les possibilités par rapport au travail éventuellement qu'ils peuvent trouver après. On sent vraiment que c'est important qu'ils puissent chanter, danser, voilà, physiquement, c'est quand même très important pour eux. Ce qui est aussi positif, c'est que ça m'a permis d'avoir du recul et de la réflexion quant justement à la pratique en France. Parallèlement, je me suis dit, c'est chouette, voilà. Là, on a travaillé sur 2h14, donc avec Alice Ronfard. Et Alice, au moment où on devait lire, nous a demandé de vraiment trouver notre propre rythme, notre propre souffle dans les mots. Tandis qu'en France, il y a un vrai respect, mais presque religieux du texte, c'est-à-dire vraiment chaque virgule doit être intégrée, chaque point aussi. C'est le respect de l'auteur, en fait. Donc, il n'y a pas bien ou pas bien, c'est juste du truc que je trouve qui c'est génial, ça complète mes deux visions du travail dans le texte. Donc ça, c'était vraiment intéressant. L'atelier de téléprésence qu'on a créé entre le Conservatoire de Paris et l'École nationale de théâtre avait comme objectif de faire rencontrer les deux classes de chacune des écoles. Les étudiants parisiens étaient à Montréal et les étudiants québécois étaient à Paris. Et donc, la téléprésence est une technologie qui permet, un peu à la manière d'un Skype, mais en plus développé, disons, de se rencontrer, d'utiliser cette communication-là pour pouvoir créer des courtes formes, créer des spectacles. Ouais, ce que je vais garder, je crois, en arrivant à Paris, c'est vraiment la joie et l'engagement, l'investissement énorme que c'est pour eux de faire du théâtre ici. Ils ont vraiment une mission, c'est vraiment une responsabilité de faire du théâtre. Et quand ils jouent, vraiment, tout est dans le plaisir, quoi. C'est dur à ramener, mais en tout cas, c'est toujours quelque chose à avoir en tête.